Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve avec la Bronco pour une vidéo qui ne va pas concerner que la Bronco. Ça va être le Vultec de la trottinette électrique. Alors, le but, c'est quoi? Ça va être de dégrossir un maximum et de vulgariser les différents termes que vous retrouvez autour de la trottinette électrique. Alors, je vais parler du châssis, des différents éléments qu'on rencontre sur le châssis, et je vais vous parler aussi de l'électronique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un chapitre vraiment dédié à l'électronique, parce qu'il y a de quoi faire, ça pourrait être une vidéo complète. Là, je vais vraiment dégrossir le sujet, mais le but, c'est de vulgariser au maximum. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti! Bon alors comme d'habitude on fait un tout petit peu de forçage, merci beaucoup à tous les anciens abonnés, nouveaux, futurs abonnés, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, c'est juste ici, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est juste là, et je vous rappelle que la Bronco est disponible chez Fastride et que pour n'importe quel achat chez Fastride, vous avez 5% de remise avec le code ZERORIDER. Allez c'est parti, on va passer au châssis. Alors je vais commencer par vous présenter à peu près tous les éléments qu'on retrouve sur une trottinette, sur le châssis d'une trottinette. Donc on va commencer par le bas et puis on va remonter par le haut. Donc on va commencer par les pneus. Donc déjà sur une trottinette, vous allez avoir différents types de pneus. Vous allez avoir des pneus route, des pneus hors route, off-road, des pneus semi-off-road, des pneus slick pour la piste et puis surtout des formats différents. Les petites trottinettes de supermarché à 250 €, on va commencer sur du 5,5 pouces. Le format est toujours exprimé en pouces et ça va jusqu'à 13 pouces pour les trottinettes les plus grosses. Sur certains pneus, on va aussi vous donner la largeur qui s'exprime aussi en pouces. Alors généralement sur du 10 pouces, on va être entre 2,5 et 3 pouces de large. Ça va dépendre du type de pneu. Il y a aussi des pneus de 8 pouces extra larges comme on retrouve sur la Dualtron Compact. Voilà. Après, pour finir sur les pneus, vous avez aussi trois familles. Vous avez les tubeless, c'est-à-dire des pneus sans chambre à air, les pneus à chambre à air et le dernier, les pneus pleins qu'on retrouve essentiellement sur les petites citadines. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage du tubeless, c'est que ça peut se réparer très facilement avec une mèche comme un pneu de voiture. L'avantage de la chambre à air, c'est une chambre à air. Et l'avantage du pneu plein pour une trotte de ville, c'est que ça demande très très peu d'entretien. Par contre, attention à un pneu plein, quand vous devez le changer, il faut des bras et c'est beaucoup plus compliqué à changer qu'un pneu à chambre à air ou qu'un pneu tubeless. Qu'est-ce qui tient la roue sur toutes les trottinettes, quasiment toutes, ce sont les bras oscillants. Les bras oscillants, c'est cette partie-là. Donc vous en avez à l'avant et à l'arrière. C'est ce qui maintient le moyeu et donc la roue. Au niveau des suspensions, vous allez rencontrer sur différentes trottinettes différents types de suspensions. Il y a les suspensions à ciseaux et encore, suspensions à ciseaux, c'est un terme assez large qui englobe en fait deux types de suspensions. Ça, ce sont des suspensions en ciseaux. En fait, ce qu'on appelle suspension en ciseaux, c'est quand ça forme un ciseau. Mais après, vous en avez avec un ressort hélicoïdal au milieu ou alors vous avez aussi le système dit à ruban ou à cartouche qu'on retrouve par exemple chez Mini Motors, où on a bien une suspension là en ciseaux, mais avec une cartouche qui va maintenir l'axe au milieu. Là, on est sur la Bronco, on est sur des suspensions en ciseaux qui utilisent des suspensions qu'on retrouve sur des vélos de descente. Donc là, par exemple, c'est un DNM Aoi 36RC qui est une suspension très très connue. Et à l'avant, c'est un Hexa 295 AR, voilà, mais ça reste des suspensions en ciseaux. Quel type de suspension vous pouvez retrouver sur des petites compactes, comme par exemple les E2, sont des suspensions à soufflet. En fait, c'est un bête ressort que vous avez à l'avant qui est protégé par un soufflet. Sur une erreur que je vois très très régulièrement, on parle souvent de suspension hydraulique en parlant par exemple de l'Aoi 36RC. Ce n'est absolument pas une suspension hydraulique. En fait, sur ce type de suspension, il y a trois types de suspensions. Il y a effectivement des hydrauliques, mais qu'on retrouve sur des formats plus grands, pas sur du 165. Ça, c'est du pneumatique. Quand c'est de l'air, c'est du pneumatique. Quand c'est de l'huile, c'est de l'hydraulique. Et quand c'est un ressort, c'est de l'hélicoïdal. Et encore, dans l'hélicoïdal, vous avez une autre variante. Vous avez hélicoïdal plus hydraulique. C'est-à-dire le ressort autour et à l'intérieur, un vérin hydraulique avec de l'huile. Donc là, on peut bien parler d'hydraulique. Mais une suspension comme ça, comme une Aoi 36RC, ce n'est pas de l'hydraulique, c'est du pneumatique. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle le deck ou le plateau.
c'est cette partie-là. C'est là où est très très généralement logée la batterie. Sur les toutes petites compactes de supermarché, et encore ça se fait de moins en moins, vous pouvez retrouver la batterie logée dans la colonne, mais c'est plutôt rare parce que ça provoque un déséquilibre. Et le fait d'avoir la partie la plus dense, c'est-à-dire la batterie, sous les pieds, ça permet d'abaisser le centre de gravité et ça apporte de la stabilité. C'est pour ça que la batterie dans la colonne, ça se fait de moins en moins parce que c'est complètement con. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le plateau du deck, et à l'intérieur vous retrouvez la batterie. Je vais revenir sur la partie électrique juste après, mais je vais finir sur le châssis. On a cette partie-là qu'on appelle la banane. En fait, c'est cette partie-là, elle peut être soit soudée d'une seule pièce comme elle l'est là sur la Bronco, sur le deck, mais généralement c'est fixé sur le deck. C'est une pièce très importante puisque c'est là où il va y avoir le plus de contraintes entre la colonne et le deck. Voilà, donc ça s'appelle la banane. On va remonter et on va passer au lock. Alors le lock, il peut avoir différentes formes, mais en tout cas, sa fonctionnalité est toujours la même. C'est lui qui va verrouiller la colonne et qui va éviter que la colonne se plie pendant qu'on roule, et c'est ce qui va permettre aussi de la plier ou de la déplier. Donc vous avez des modèles un peu comme ceci, où vous avez en fait une grosse bague qui va venir englober le tout. Vous avez des locks plus simples des fois qui sont au niveau de la banane. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur des trottinettes compactes. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lock. On va continuer à monter, donc ça c'est ce qu'on appelle la colonne. Donc la colonne, comme sur un vélo, une moto, voilà, c'est une colonne de direction. Et on arrive ici sur le cintre. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle la tête de colonne. La tête de colonne, c'est cette partie-là, c'est cette pièce-là. C'est ce qui est entre la colonne et le cintre. Alors il faut savoir que sur la plupart des trottinettes, il existe plusieurs types de têtes de potence. Sur les VTT, par exemple, on a tendance à mettre des têtes de potence allongées. Sur une trottinette, c'est pas forcément une bonne idée, puisque plus on va prolonger la distance entre le cintre et la roue, et plus on va augmenter le risque de guidonnage. Plus on va être dans l'axe de rotation de la colonne, et moins on guidonnera. Donc, colonne, tête de colonne, cintre. Alors sur celle-ci, on va retrouver sur quelques trottinettes, mais pas sur toutes, on a aussi un vérin de direction. Vérin de direction, justement, ça permet d'amortir les mouvements de rotation et donc d'éviter l'éventuel guidonnage. Sur beaucoup de trottinettes aussi, on retrouve ce qu'on appelle un cale-pied ou un marche-pied, ça dépend. C'est ça. Ça permet de mettre son pied d'appui en arrière et de pouvoir compenser l'accélération ou la décélération en s'appuyant sur le pied à l'avant ou à l'arrière. Pour le châssis, on a fait le tour, on va passer à la motorisation. Alors on va passer à la motorisation, merci le soleil parce que je commençais vraiment à cailler. Alors sur une trottinette, vous retrouvez forcément un ou deux moteurs, une batterie, un contrôleur et un display. Chacun est indispensable. Le moteur, forcément, c'est celui qui sert à avancer. Sur quasiment l'ensemble des trottinettes, on retrouve des moteurs dits brushless. Ce sont des moteurs sans frottement. C'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment. Après, sur certaines vieilles trottinettes, comme les 6T par exemple, on retrouve des moteurs traditionnels, des CAC. Et généralement, là, on a un entraînement par chaîne ou par courroie. C'est ce qu'on appelle des moteurs avec balai. Mais sur la plupart des trottinettes, c'est des moteurs sans balai. Donc la batterie va fournir l'énergie nécessaire pour faire tourner les moteurs. Mais entre les deux, voilà, on ne peut pas juste envoyer une certaine tension dans un moteur brushless, ça ne va pas tourner. Il faut envoyer ce qu'on appelle une séquence. Une séquence qui, par alternance, va faire tourner le moteur. Donc là, déjà, on a deux types de séquences. On a des contrôleurs de type square, c'est-à-dire avec une séquence plutôt binaire. Ça va être plus, moins, un signal carré. Et on a, maintenant, on en voit de plus en plus, les contrôleurs sinusoïdaux, où là, c'est aussi une séquence de 1 et de 0, mais dans le même intervalle, il y a beaucoup plus de mouvement. Au lieu d'avoir une forme d'onde carrée, comme son nom l'indique, là c'est sinusoïdal, donc en fait c'est de tout petits escaliers. Donc ce sont des moteurs qui ne font pas du tout le même bruit. Par exemple, chez Mini Motors, c'est du square, on entend bien le tac 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 quand ça roule. Sur un sinusoïdal, le bruit est beaucoup plus rapide, il est moins important. Voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc ça, c'est le type de contrôleur que vous pouvez retrouver. Pour agir sur le contrôleur, il y a ce qu'on appelle le display. Donc là, vous en avez un exemple ici. En fait, le display, ce qu'il va faire, c'est que c'est aussi là-dessus que vous allez retrouver votre gâchette d'accélérateur, à l'index ou au quad. Ça diffère. Ce qu'on appelle quad, c'est au pouce.
et à l'index, et ben c'est à l'index comme son nom l'indique. Ce display, il est impératif car c'est lui qui va convertir en gros la force que vous allez mettre pour accélérer et la renvoyer sous forme de signal au moteur. Ça vous permet aussi d'afficher la vitesse, l'eau d'eau, voilà, c'est un élément indispensable. Donc ce qu'on appelle le display, c'est cette partie-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je rentre vraiment à fond dans une vidéo dédiée sur toute la partie électronique, parce qu'il y a encore beaucoup de termes, encore beaucoup de choses. Je vais finir sur la partie électronique pour vous parler de la batterie. Batterie, il y a plusieurs chiffres à prendre en compte. Généralement, on vous parle de tension et de capacité. La capacité, elle va s'exprimer en ampères-heure. C'est en gros la durée pendant laquelle la batterie va pouvoir maintenir sa tension. Sa tension, c'est le nombre de volts qu'elle va définir. Généralement, alors, c'est plus compliqué que ça, mais là, je vous le dis, je dégrossis. Le voltage, c'est-à-dire la tension, va définir la vitesse de rotation maximum d'un moteur. La puissance, qui elle est exprimée en ampères, et je ne vous parle pas d'ampères-heure, je vous parle bien d'ampères, c'est le contrôleur qui l'a défini, et c'est ce qui va définir en fait la puissance de la machine, ce qui va permettre d'atteindre la vitesse de rotation maximum. C'est pour ça que vous avez des 72 volts, on va prendre par exemple et ben justement la Bronco. La Bronco, on a 100 ampères de décharge en 72 volts. Les Bluetran, là, qui viennent de sortir, sont des petites citadines, donc avec des contrôleurs un petit peu plus modestes. On a la même vitesse de rotation, qui est donnée par les 72 volts, mais on est sur des contrôleurs de 2 fois 30 ampères, donc 60 ampères. Ça explique pourquoi, avec un voltage identique, on n'a pas du tout les mêmes performances, puisque le voltage ne fait que définir la vitesse de rotation maximum, mais pour l'atteindre, il faut de la puissance. Et ça, la puissance, elle est définie par le contrôleur et sa puissance de sortie, et ça c'est quelque chose qu'on ne vous donne pas souvent. Voilà, donc pour finir sur la batterie, il y a deux choses à retenir: la tension et la capacité. Une information importante mais qu'on n'obtient pas facilement, mais qui est intéressante si vous voulez chanter vos contrôleurs, c'est-à-dire les rendre un petit peu plus puissants, c'est la capacité de décharge de la batterie. Ça, elle est gérée par le BMS. Le BMS, c'est encore un terme que je vais vous expliquer. Le BMS, c'est un petit boîtier qui est raccordé sur chaque groupe de cellules et qui permet d'équilibrer les cellules. Cellules, encore un terme que je n'ai pas abordé. C'est les cellules, c'est ce qui compose une batterie de trottinette électrique. Alors, jusqu'à présent, c'était majoritairement des cellules 18650, c'est des cellules qu'on retrouve dans les cigarettes électroniques, dans beaucoup, beaucoup de choses, qui sont montées en série et en parallèle. C'est pour ça qu'on va parler, par exemple, de 16S, 9P, enfin, je vous donne des exemples comme ça. S pour série, P pour parallèle. La tendance de 2022, c'est de venir sur des cellules plus grosses. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de constructeurs utilisent des cellules 21700. L'avantage, c'est qu'on a une capacité de décharge beaucoup plus importante et ça permet de faire des batteries plus compactes avec une capacité plus importante. Alors, pour finir sur la batterie, vous avez dû entendre parler de cut. Ce qu'on appelle le cut, c'est quand on arrive au fond de la batterie. Bon, en vrai, les batteries sont quand même protégées, soit par le contrôleur, soit par le BMS. On n'arrive jamais à zéro et il ne faut surtout pas, contrairement aux batteries de téléphone, une batterie au lithium n'a pas d'effet mémoire et au contraire il ne faut surtout pas vider complètement les cellules. Il vaut mieux les recharger fréquemment. Si vous ne l'utilisez pas, il faut la laisser un petit peu plus que mi-charge et puis contrôler régulièrement que la batterie ne se décharge pas tout seul. Une batterie lithium complètement déchargée, c'est une batterie qui a pris un sacré coup dans la tronche. Bah écoutez, je pense que j'ai vulgarisé pas mal de termes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a encore des termes qui vous paraissent un petit peu flous. À me dire aussi si vous voulez une vidéo dédiée sur l'électronique. Et dans ces cas-là, je m'accompagnerai d'un spécialiste pour éviter de vous dire des bêtises. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut !